Oh! Bonsoir à tous, chers résidents de l'île. En ce lundi 3 octobre 2022, il est actuellement 20h16 sur notre belle Cocolindo. J'ai une annonce à vous faire à propos d'un événement. Le tournoi de pêche d'automne se déroulera samedi. Un stand d'inscription au tournoi sera disponible sur la place de 9h à 18h. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est tout pour le moment. Permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. Salut, c'est Lou. J'espère que vous allez bien. On est en direct sur Twitch pour cet épisode d'Animal Crossing New Horizons. Coucou Audrey, qui me demande où j'étais. Bah j'étais là. Oh ça, les habitants vont me le demander aussi. Ah là là. Bon, on joue de manière irrégulière, mais on joue quand même à Animal Crossing. Ne vous inquiétez pas. Allez. La banque qui me fait une petite clochette. 24 clochettes, c'est formidable. La JD, 102 000. Qu'est-ce qu'ils me disent? On ne fait pas plus salon. Ton intérieur n'a aucune leçon à recevoir. Runarama. Ma toile. Et Jaco qui m'écrit: je ferai ma lugubre apparition le 31 octobre lors d'Halloween, mais c'est trop. En attendant, j'invite chacun de vous à se pâmer devant mon portrait tout en préparant une réserve de bonbons. Merci Jaco. Faites un petit coucou dans le chat si vous êtes là, n'hésitez pas. Alors, oulala. Portrait de Jaco. Ok. On va ranger tout ça, déjà. Ah. Alors. Coque les villas de loup. Bah, je vais ranger. Mais non, pas entreposer. Ah bah si, c'est entreposer le mot. Loup, il est bêta. Tout, tout, tout. Oh, c'est quoi déjà? Bah oui, bah... J'ai un cahier depuis je sais pas combien de temps, là. De la nourriture. Bon, il y aura encore plein de mauvaises herbes, évidemment. Ah, tu commences la collection de cartes Amiibo, Loutre? Bah, tu fais très bien. Tu fais très bien. Moi, je continue de temps en temps à acheter des petits paquets. On en retrouve plus facilement, en plus, actuellement. Donc, c'est assez cool. À des prix normaux. donc, ça va. Et donc, voilà, un petit paquet de temps en temps pour agrandir ma collection. Je me suis mis aussi au panini de Super Mario. Donc, là, vraiment, les cartes. En plus des cartes Pokémon. Des cartes dans tous les sens. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ploc. Eh mais non, mais on va pas péter la porte de chez Patty quand même. Alors, coucou Patty. Coucou Patou. Makai, depuis le temps. Comment vas-tu? T'as raté l'occasion de rejoindre mon club, le cercle des amateurs de rouler à la fraise. J'ai dû abandonner le projet. Un membre, ça suffisait pas. Je m'ennuyais toute seule. Ma pauvre. Pourtant, j'adore le rouler à la fraise. Ça, indéniablement. Fraise et framboise, les fruits préférés de Lou. Bonjour aux Zizi. Spécial. Oh, je fais pas à fond. Hein. Bonsoir Audrey, bienvenue à toi. Le gang des Audrey est là ce soir. On n'encombre pas mon chemin, s'il vous plaît. Et bonsoir Alex. Bienvenue. Mettez-vous au chaud, prenez un petit roulé à la fraise. Ah, on va commencer à devoir mettre des plaids là. Hein. Le chauffage, c'est pas encore maintenant, mais là, c'est les plaids déjà. Oula! Attends, suis-je bête, regarde. Mais non! Enfin! Alors Alex dit apparemment peut-être une nouvelle mise à jour pour Animal Crossing bientôt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Alex? Salut Borbu au passage. J'ai loupé. Alors ça n'a pas été. En tout cas, c'est pas une information officielle à mon sens. Mais il y a des rumeurs, il y a des leaks. Bon, je suis pas sûr qu'il me fasse une mise à jour. Après, tout est possible. Hein. Parce que là, ça fait longtemps quand même la précédente.
Et ils avaient dit qu'il y aurait plus de mise à jour majeure en plus. Donc là, ce serait une mise à jour payante, a priori. Oh bien! Alors, hop, les miles. Hop, voilà. Alors, faut équilibrer les miles, hein, toujours. Encore des petites créations. Ah, il y a plein de nouveaux trucs là, dis donc. La baguette lisse, elle est très jolie. Bah, ça, je savais le faire, non? J'ai pas déjà fait? Une plaque fossile. Ça, je peux le faire en plus. T'as vu ça sur Twitter, Alex? Je sais pas, peut-être que... Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu parler de ça? Ça se trouve, je suis peut-être complètement passé à côté, hein, mais je pense que ça aurait fait plus de bruit. Ça dit, déjà que j'ai pas fini les villas de loups. Coucou. Tiens, 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 loup, ça faisait une sacrée paix. T'as l'air d'avoir changé un peu, tu sais. T'aurais pas osé vivre de grandes aventures sans moi. Enfin bref, c'est chouette de te revoir. Mais me refais plus le coup de te volatiliser, ok? Mais je me volatilise si je veux. Ah non, mais j'ai plein de... Non, mais là, là... C'est une année compliquée et bien remplie, hein, quand même. Pour ma chaîne aussi, cela dit, hein. Il y a toujours quand même un let's play par jour. C'est juste qu'il y en a tellement que des fois, c'est compliqué de... De rejouer à certains jeux et d'être régulier sur certains jeux. Surtout que j'ai eu la bonne idée de lancer Zelda Breath of the Wild. Ah, Dimitri. Hein? Je te retrouve enfin, loup. T'étais où? Tu peux pas disparaître comme ça sans rien dire. Tu m'as tellement manqué. Oh, arrête, je vais m'en vouloir. Alors, on en est où l'enquête là sur la mise à jour? Est-ce que quelqu'un a des infos? Dites-moi tout dans le chat. Alors, hop 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 hop. Un fossile. Du coup, je vais enterrer mon gyroïde. Voilà, très bien. Il y a une sauterelle qui a sauté derrière. Ah. Vous retrouvez pas l'information sur la mise à jour? Quel mystère mystérieux! Alors, est-ce que je vais sur une île là ou pas? Bof. Y a plus trop besoin, on a tous les légumes maintenant. Salut Racine! On se fait un petit barbecue ce soir. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe, notre ami Titi? Hé, hey, Makai, j'ai un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je crois que je vais quitter l'île. Si je veux être une gigastar, va bien falloir que j'aille explorer ce monde où vivent tous mes fans. Oh, j'aime bien Titi quand même. J'hésite. Mais ça fera un petit peu de nouveauté dans le village. Bon, allez, Titi. Montre-leur un petit peu ce que tu es capable. Merci. Il n'y a que les vrais amis pour t'aider à réaliser tes rêves. Makai, je te confie la mission de maintenir le niveau de glamour de cette île. Gudule, Makai, je t'oublierai pas, même quand je serai une star méga internationale.
Allez. Mon petit, ma petite Titi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Insecto Safari, 10 octobre, anniversaire de Dimitri. Dans une semaine. Je me le note au cas où, mais ça m'étonnerait que j'y pense. Dimitri, 10 octobre. Avec un peu de chance. Bon, le tournoi de pêche, c'est sûr que non. Encore que, ça se trouve, je serai là ce week-end. Ça va, on s'amuse? Oh, salut Lou. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Tu t'étais mis en disponibilité le temps de faire du crochet? Quoi? Comment ça, c'est pas ton hobby? C'est pas le problème, fallait pas disparaître sans rien dire. Maintenant, t'as intérêt à rattraper le temps perdu. J'espère t'avoir pour moi toute seule. Tiens, bichon, ça fait un bail. Je suis drôlement joyeuse de te revoir à Cocolindo. On causait justement de toi l'autre jour. On se demandait où t'étais passé. T'as fait coucou à tout le monde? Va faire le tour des potes, ça leur fera plaisir de voir ta trombine. Bref, content de te revoir, bichon. Kampai. Je préfère qu'on m'appelle bichon que Makai, hein. J'en ai marre de ceux qui m'appellent Makai. Je suis tellement habitué à creuser que là, je viens de... J'ai envie de creuser le... Oh! Oh bah tiens. J'ai envie de creuser le gyroïde que je venais de planter. Ah bah oui, Borbu, il faut de la nouveauté de temps en temps. C'est l'occasion, écoutez. Si vous voulez un peu de nouveauté aussi, enfin en tout cas des choses un petit peu différentes en Animal Crossing, vous devez le savoir depuis le temps, mais il y a le let's play du tout premier Animal Crossing sur ma chaîne, hein, donc vous pouvez aller voir ça. C'est très différent, ça c'est sûr. Alors, or... Faudrait que je finisse un petit peu mes barrières aussi là. Yo bichon, ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Tu t'es entraîné régulièrement au moins? Je m'en apercevrais sinon. L'entraînement, c'est la vie. On peut pas laisser de côté, pas même une journée. Sueur rime avec bonheur. Ouah, après cette tirade, je me sens débordé d'énergie. Je vais aller faire quelques exercices en plus. Ciao. Eh ben, quelle motivation. Coucou Elise. Non, bichon. Ça y est, tu es revenu. Mais où étais-tu passé? Tu me croiras si tu veux, mais l'île n'est pas pareille sans toi. Et pas en mieux. C'est simple, je n'apprécie même plus ma petite tarte au citron du matin depuis que t'es parti. Oh, je sens que je vais craquer. C'est tellement bon de te revoir. Oh, bichon. C'est moi, bichon. Voilà. Ah mince, au fait, le... Ah, j'ai rangé la toile que je voulais présenter à... Attends, j'avais déjà présenté ou pas? Bah non, parce que j'ai eu le colis à l'instant. Faut que je repasse chez moi à la récupérer. Oh tiens. À la chasse aux gyroïdes, collectionne toutes sortes de gyroïdes et gagne des miles au passage. D'ailleurs, une fois qu'on a des gyroïdes chez soi, il est difficile de se passer de leur présence attachante. Symbole jamais vu. Eh oh! Voilà. Oh, faut que je la retrouve. Mince, alors attends. Non. Bon, ça je peux entreposer. Je vais faire ma plaque fossile, tiens. Oui.
Il y avait d'autres choses que je pouvais bricoler que j'avais jamais bricolé. Genre ça, un lit de paille. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux réaliser? Non. Alors, oula, faut que je me repère dans l'entreposage. L'entrepôt. ça va être dans déco, j'imagine. Mais ça va être déco comment? Un truc de runard. Oh, attends, faut que je mette tous. Aïe, 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 aïe. Mince. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Runard? Enfin, c'est une toile, hein, je crois. Si vous la voyez, vous me dites, hein. Parce que ça, c'est mes faux. Ouais, c'est tous mes faux. Qu'est-ce que j'ai dit dans l'épisode précédent? Je me souviens pas. Ah, c'est malin. Et comme je l'ai rangé. Oh, il y a un paquet de trucs, hein. Coucou Sims qui vient de débarquer dans le chat. Alors, attendez, c'est un truc muro là. Oh là là. Ah. C'était quoi? Oh, je me souviens plus du tout. J'ai pas le choix, je vais tout reprendre. Oh, quel bétadin. Je me demande si c'était pas ça d'ailleurs. Bon, le... Ça c'est bleu. C'est bleu fluo. Maintenant que j'ai retenu la leçon. Oh là 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 là. Bonsoir Aurélie, bienvenue à toi. Allez, on va passer au musée vite fait. Et après on va aller chez Audrey qui nous a ouvert les portes avec un dodo code. Hop, c'est par là. On va faire un petit coucou rapide. Rapide parce qu'on a du boulot après. Eh bah écoute, je veux faire une donation. Je vais tout lui donner, il va me dire mec, tu te fous de moi. Oui. Y'a que des faux. J'accepte volontiers le reste. Ah bah parfait. Il y avait un vrai je pense. Ah bah oui, il y avait un vrai là. Ah mais non. Ah mais je me suis trompé de bouton. Allez. Mais je sais qu'on les a déjà, c'est juste pour les vendre. Allez, zou. Merci bien. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une mise à jour pour ouvrir enfin l'aile est là du musée. On attend un truc pour les gyroïdes. Je vais me pencher sur cette question de mise à jour là. Je vais regarder, je vais fouiller moi-même. D'abord, je vais prendre mon petit café pendant ce temps. Oh, vient de moudre des grains fraîchement torréfiés. Allez, une petite tasse. Alors, pendant ce temps. degrés. Ouh là là. Et bonsoir John Abraham qui déboule au même moment. C'est l'appel du café. Bon, y a pas d'info hein, sur une mise à jour, hein, non. Désolé Alex. Alors, on va aller voir du coup la toile qu'on a découvert.
Alors, où est-ce qu'elle peut être? Poup, poup, poup. Je regardais parce que c'est tellement beau. Bah, je sais pas ce que j'ai déposé du coup. Qu'est-ce que j'ai déposé comme toile? Bah, c'était pas celle que je pensais en fait. Bon bah j'ai apporté un truc, je sais même pas ce que c'est. Et bah dis donc, décidément. Et celle que je pensais apporter n'est pas bonne. En tout cas. Bah oui, John Abraham, c'est ce que je disais, hein. Pour moi, il n'y a plus de mise à jour, effectivement. Sauf peut-être une mise à jour payante. Parce qu'on dit que c'était la dernière grosse mise à jour gratuite qu'on a vu. Enfin, peut-être qu'ils prépareront un truc payant, mais bon. Après, on ne jamais dire jamais, vu que Mario Kart 8 a eu son extension 5 ans après sa sortie sur Switch. Ok, alors, on va faire un petit... Je range quand même mes poches là. Bon, on va faire un petit crochet par chez. Hop, 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 hop. Notre ami loutre. Vite fait. Alors, attends, peut-être que c'est peut-être. Non, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Je veux voyager. Je vais voir quelqu'un. En ligne. Avec un dodo code. Alors, L501V. T'y crois pas, toi, John Abraham, à un DLC payant? Ouais, j'y crois moyen aussi, hein, mais bon. Allez, on va aller voir Harmony. Melody, Tempo, Harmony. Les petits préparatifs habituels, on va être patient. Tout est prêt, bon vent. Alors, Mélodie. C'est joli. Oh, regardez comme elle a tout personnalisé le sol. Oh, c'est incroyable. Il y a eu du boulot là. Hein. Coucou. Ah, ça faisait longtemps. C'était quand même une sacrée... Vous vous rendez compte, c'était il y a 2 ans. Hein. C'était il y a 2 ans. 2 ans et demi même. C'est ouf. Je trouve ça ouf. La vitesse à laquelle ça passe, ça me déprime. C'était une sacrée période quand même. On jouait tous les jours. On était là tous les jours à discuter ensemble et tout. Vous vous rendez compte? Oh bah tiens. Bonjour. Regardez comment je suis habillé quand même. C'est pas une tenue pour visiter une île comme ça. Je vais me changer. Voilà.
Faites-vous plaisir, merci Audrey. Oh bah je visite. Oh bah tiens, ticket. Les îles regorgent de trésors naturels. Ce sont une source d'inspiration inépuisable. Ça se ressent les vêtements que je crée. Alors, hop. J'aime bien regarder les cartes, moi. On va voir la carte, là. Il y a eu beaucoup de boulot, j'ai l'impression, aussi, hein, en termes de... Oh, c'est joli, ça. C'est pas mal. Ah, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça rend bien. On aurait peut-être dû faire comme ça, mon champ. Ah, puis avec le petit épouvantail, là. Ça me fait des regrets. Et voyez, en plus, il y a chaque fruit. Presque. Il en manque un, non? Il en manque un. Un ou deux. Peut-être les fruits en plus de que oui, c'est là, peut-être des pêches normalement sur l'île, je pense. Oui, c'est ça. Et du coup, elle a mis les fruits supplémentaires. Eh ben, dis donc. Ah, et puis des petits portraits pour savoir qui habite où. Ça, c'est bien. Il y a eu du boulot. Audrey a bossé comme une folle. C'est mignon ce petit chemin. Oh, la maison de Patty. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop mignon. Il est joli cette petite corbeille de fruits, tiens. C'est mignon. Ah, par là, c'est chez Runard. On voit bien par rapport à chez moi. C'est bien ça. Il y a les distributeurs un peu partout. Ah, il y a la maison là. Dis donc. On se refuse de rien. Un petit chalet château. Tranquilou, kilou. On va aller explorer ça. Elle est mignonne cette musique. Alors une première pièce assez simple. Pas très meublée. Ah bah ici c'est vide. Très beau papier peint, cela dit. Alors, c'est peut-être pas la maison principale, cela dit, celle-ci. Peut-être qu'Audrey a une autre maison et que là, elle a fait un petit chalet comme ça. Très certainement. Parce qu'à mon avis, vu les heures jouées, ou alors peut-être qu'Audrey préfère construire à l'extérieur. Alors... Je suis très curieux de voir le prochain Animal Crossing, n'empêche. Qu'est-ce qu'ils vont inventer? J'imagine que le côté terraforming sera encore plus présent. Ce serait bien que ce soit plus vaste aussi. J'aimerais bien un territoire plus vaste. On va aller visiter un petit peu à l'est et puis après on va rentrer parce qu'on a du boulot. Tiens, il y a quelqu'un là. Oh, une biquette! Bonjour, Capri. Oh, je t'avais encore jamais vu ici. Est-ce que tu viens d'emménager? Tu n'es pas d'ici? Oh, tu es loup et tu viens nous rendre visite? Je m'appelle Capri. Tu vas voir, Harmonie, c'est vraiment une super île. Amuse-toi bien, bye. Oh, elle est jolie, elle. Chino. Tiens, salut. Tu dois être un visiteur d'une autre île. Je suis Chino, enchanté. En tant que future star de la pop et future grande célébrité qu'Harmonie est connue, c'est un plaisir de te rencontrer. Tu es loup? Ça te dit qu'on aille faire du shopping? Je les connaissais pas. Sympa. Enfin, Capri, je crois que j'ai déjà vu quelque part.
Oh, j'avais pas vu, il est très beau le drapeau. J'aime bien. Très stylé. Il est à la fois très représentatif et il y a un petit côté un peu abstrait malgré tout que je trouve assez bien fait. Oui, John Abraham, tout à fait. John Abraham qui dit j'aimerais bien qu'il développe un peu les relations avec les habitants, un peu comme dans Stardew Valley. Ça a toujours été un point faible de la licence. Alors, encore plus dans New Horizons, hein. C'est vraiment ce que j'ai fustigé dans le jeu, c'est les relations avec les habitants qui sont beaucoup plus... même la personnalité des habitants. Ils sont beaucoup plus effacés par rapport aux épisodes précédents et ça c'est vraiment dommage. Allez, on rentre. On passe sur l'île de Joe. Voir si Runar a des choses intéressantes à nous proposer. On va déposer quelques pièces aussi là-bas. Et puis on va foncer bosser. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire une villa? Est-ce qu'on va faire une infrastructure? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas de ce dont j'ai envie. Ah, je l'aime bien, ma Coccolindo quand même. Bon, il y a des mauvaises herbes un peu partout, mais... Mais je la trouve belle. J'irais bien voir le tout premier épisode, ou au moins les premiers épisodes de mon let's play, pour voir à quoi ressemblait l'île au début. Parce que maintenant, je la connais par cœur. Mais elle a tellement changé depuis le début. Ça aussi, c'est fou. C'était assez fou de pouvoir faire ça. Mais ouais, j'aurais bien aimé que ce soit sur un territoire un peu plus grand. Et peut-être avec une île... comment dire? Avoir les îles... les îles exotiques, comme avant. C'était assez sympa avec les nouveaux fruits, tout ça. Ça manque, il n'y a pas assez de fruits aussi. Voilà. Hop, chez Joe, tout de suite. Ouais, je sais pas. On verra bien. Je veux voyager. Sur l'île de Joe. En route. Une île commerçante, ce serait sympa, dit John Abraham. On a un peu ça avec l'île de Joe, mais en plus développée. Oui, ça rappelle un peu Let's Go to the City qui était sorti sur Wii. Où il y avait carrément un centre-ville. Hein. Après, je sais pas. Oh! C'est Cornimer, du coup. Le maître des glands est de retour. Oui, c'est la sonde Cornimer. Et toi? Oui, toi. Avec toute cette place dans tes poches. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux te balader comme ça le nez en l'air? Les glands, quelle formidable invention. À ce propos, tiens. Si après ça, je t'entends dire que le Cornimer fait des cadeaux à la noix. Oh bah merci. C'est gentil ça. Yes, bon vieux Cornimer, ce dont tu as besoin aujourd'hui. Je veux déposer des trucs. Allez, on dépose tout ça. C'est bon. Oh bah ça va, on peut finir là. C'est bien, ils m'ont bien aidé là les villageois pour une fois. Et du coup je crois que je peux pas payer pour l'autre, c'est ça? Voilà. Ok. Alors, ah bah y'a Zizi qui est de retour. Bah l'autre, la dame à l'hermine, je l'ai, donc quoi qu'il arrive, j'ai acheté Monsieur Zizi et puis c'est suffisant. Je pourrais en mettre un autre sur mon lit comme ça. Allez, ciao. Ciao, bye. Je vais me changer parce que je suis toujours habillé en Peach dans ce jeu, c'est terrible.
Enfin, c'était pour la visite, tu vois, un petit côté royal. Quoique... Attends, on est en octobre. Voilà. Ça va mieux comme ça. Pour l'approche d'Halloween. Allez, au travail. On y va. Les villas de loup. Allez. Il est agréable ce jeu quand même. Si seulement j'avais plus de temps. Là en ce moment c'est un peu chaud. On peut pas tout faire. Mais oui, tout va bien, t'inquiète pas. Qui est là? Oh, il est drôle lui. Oh, les trucs sympas, hein. Le petit canard trop mignon là. La vache. Un lapin albinos. Oh là là. Alors attends, deux secondes. Je veux la carte de l'île. Bon, pour savoir qui est où. Parce que là, il y a vraiment des têtes très sympas. Bonsoir Lou. Ben bonsoir. Ça je crois que je l'ai pas. Faut que je rembourse déjà l'autre. Alors je suis à combien? Ouf. Le karaoké était cher, oui c'est vrai. Bon attends. On verra plus tard. Je veux bosser, Mame Lou. Allez. On reprend le travail. Bon. Il y a plein de têtes très sympas. Un ranch. La lune. Bah oui, le lapin de la lune. Je veux faire mon fromage plutôt que d'en acheter. Je sais pas si j'ai une souris. Par exemple. Mais le canard est très mignon aussi. Qu'est-ce qu'il veut le canard? Une villa où jouer de la musique comme un pro. La musculation, oh. La savane aride de mon enfance. Oh, c'est mignon. Le zèbre est pas mal aussi quand même. Alors, on va prendre le zèbre. Oh, tu représentes les villas de loup, je vois. Cette île est charmante, n'est-ce pas? Ça fait un petit moment que j'ai envie d'une maison de vacances. Tu crois que tu pourrais m'aider? Discutons. Oh vraiment? C'est super! Allez, battons le fer tant qu'il est chaud. Wimbo, ouais. J'aimerais bien que ma maison de vacances soit dans ce genre. Mon oasis désertique. Oh non mais c'est trop sympa. Voilà pourquoi j'ai choisi, parce que j'ai déjà une idée d'emplacement en fait. Allez. L'emplacement. Dans le désert évidemment. Cet endroit a l'air charmant, Wimboé. Alors, on va mettre du plein pied. Ouais. Comme ça, on va en faire deux. Je vais pas trop faire de coloc parce que j'ai pas envie de réaménager dans cette maison. Et ouais, je suis comme ça. On verra plus tard pour les colocs. Je vais déjà essayer d'en faire un maximum. Alors, c'est dit que je vais passer des vacances. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. J'ai vraiment hâte de voir la maison terminée, Wimboé. Bon, eh bien, je te laisse t'y mettre. J'apprécie beaucoup ce que tu fais pour moi, tu sais. Alors... Ah non, pas le truc de tronc.
Ah, c'est des variations. Ok, pas mal. Ah, mais du coup, il est posé sur... C'est dommage, ça aurait été sympa sur... Bah ouais, mais du coup, ouais. Non, c'est pas ça que je veux faire. Retirer. Alors, attends, on va changer le style de la maison aussi. Voilà, clairement, c'est une maison comme ça qu'il nous faut. Alors, on l'a fait en quoi? Toi en pierre, en bois? Ou en chaume? Voilà, un petit côté case comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ou en bois. Argile, j'aime bien. Moi, je trouve ça beau. Hop. C'est mignon ces petites herbes qui se dandinent au vent comme ça. Voilà. C'est pas mal pour l'extérieur. Alors, est-ce qu'on a grandi ou pas? Ou est-ce qu'on fait un truc petit? On va grandir un petit peu peut-être. Tu vas la faire en longueur. Je fais jamais comme ça peut être pas mal. Alors. Le cacaoyer. Alors, une obsession pour la vigne géante apparemment, c'est un peu bizarre. Oui, c'est un peu particulier du coup. M'inspire, hein. Des Népenthes suspendues. Cosy et chaleureux en cette période préhivernale, c'est l'idéal, nous dit l'outre. C'est vrai. On va plutôt la vue des airs, hein. Avec un petit sol oasis, sol que j'adore, vous le savez, vu qu'il est dans ma chambre. Alors, le problème, c'est que. Ah, si, ça peut passer. Ali Farka Kéké. Alors. Ouais, le bon vigne, je le virerai, je pense. Le flambeau. Ah, il me faut de la musique. Alors, une chaîne qui jure pas trop avec le reste là. Où sont les chaînes?
Je les ai déjà passées ou quoi? Vous les avez... Ah, elles sont là. Bah, j'ai peut-être pas trop le choix. Cette... Sympa. Ah, j'aime pas, ça cache forcément l'oasis du coup. Hop, ça vire. Ta 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 ta. Ça, ça vire. Non. Pas mal le jeu sur les couleurs, tiens. Peut-être mettre brun. Cette jarre me fait tellement penser à The Legend of Zelda. Je peux rien poser au-dessus? Non, malheureusement. Le lit est là. Ça je retire. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. On va chez les Geodos d'Aurélie. Ah, c'est exactement ça. Ah, j'aime bien. Tout est prêt. Ah bah, je suis content que ça te plaise, Savannah. L'oasis désertique de Savannah. Param pam pam. Je suis épaté par ma maison de vacances, je pourrais passer la journée à l'admirer. N'hésite pas à rester et en profiter pour détendre si t'as le temps, Lou. Ah non, je dois rentrer. J'ai d'autres clients qui m'attendent. Très bien, sois présent sur le retour, Wimbowé. Et voilà. Un client satisfait de plus. Ah, te revoilà, Lou. Bien, voici ton salaire. Cette fois, tu as gagné 15 000 pokis. Tu t'arrêtes là pour aujourd'hui ou tu pourrais continuer? Non, pas fini, pardon. Je voulais pas finir. Bon, attends. J'achète le casque pro, ça j'ai déjà ou pas? Je sais pas, je reprends quand même au cas où. Ça, je crois que j'ai pas. Dans le doute, hein. À propos des infrastructures. Construisons un café. Tu veux construire un café? Oui. Ça marche. Allons-y. Allez, profitons-en pour faire le café, comme ça ce sera fait. Ce sera café même.
Nous y voici. Un mignon petit café sera parfait ici. Et regarde un peu cette vue. Bon, assez rêvassé. C'est le moment de mettre la main à la pâte. Commençons par décorer l'extérieur pendant que Gracia et Mantin s'occupent de la terrasse. Alors, café... Quel style? C'est assez drôle comme ça, jaune. Comme ça, j'aime bien. On peut même le personnaliser, le haut vent. Ça, c'est bien. L'extérieur te convient-il? Tout à fait. Génial, c'est magnifique. Maintenant que c'est réglé, voyons l'intérieur. Alors, un bon petit café. Oh bah. Bien, et maintenant nous devons nous assurer que l'intérieur est un modèle de confort et de sérénité. N'oublie pas de jeter un œil à la commande en appuyant sur le bouton de droite pour consulter les conditions requises. Je suis impatiente de voir le décor que tu vas créer cette fois-ci. Quand tu auras fini, fais-moi signe, ok? Alors. Ouais. On va rester sur un 6-8 pour voir. En 4 chaises. Une seule table, il leur faut. Une caisse enregistreuse. Siège d'arcade. Je sais pas si je veux un café comme ça, moi. Table artistique. Étagère sur le plafond. Ça, j'aime bien. We are hoping. Ça j'aime bien. Une vitrine à glace, bien sûr. Vitrine glacier rétro. Bon, clairement. Voilà, passons à 8-10. Alors attends, parce que. Ah, mais chute! Bon, ok. Ça va faire du bruit! Petite salle d'arcade, hein, du coup. Tu veux une ambiance dinner, l'autre? On a déjà une ambiance dinner dans notre restaurant, donc je vais faire un petit peu différent là cette fois-ci. J'ai un petit doute sur la... Pff, honnêtement. Ah oh ouais, non, c'est mieux. Ah oh non, mais ça fait trop de bruit ces trucs-là. On peut pas les débrancher, donc. On aura besoin d'un moulin à café à l'ancienne. D'une machine à café. D'un distributeur de fruité, d'un mixeur. D'un grille-pain électrique, d'un robot de cuisine. Des petits gâteaux comme ça. Qu'est-ce qu'on met encore? Un thé glacé citron. Caisse enregistreuse à écran tactile. Attendez, au bord de la modernité là. Oh, regardez. C'est mignon. Le double écran d'affichage. Ah, attends. Alors, qu'est-ce que je mets comme... Mur chocolat fraise. Attends, ah.
Il y a des choses sympas quand même. Ouf. Ouf. Je trouve ça rigolo comme ça en fait. Attends, ah. À quoi elle tient cette Ah, elle est là. Ouais, c'est pas mal. Alors, il me faut des meubles pour poser mes toutes les affaires là. Des comptoirs quoi. Ah bah il me faut un menu. Non, bah, la couleur normale bien. Peut-être trop grand comme ça. Je vais peut-être prendre un comme ça plutôt. Bon, on va pas boucher la place quand même. En revanche. Évidemment, là, ça passe pas. On va pas être comme ça. Hop. Voilà. Non, il va disparaître ça. Ça aussi. Ok. Et il me faut de la musique quand même. Qu'est-ce qu'il me propose pour la musique? Ah, je trouve pas. Ah.
Ah mais je vais trop aligner les tables, j'aime pas. Oh quoique. Qu'est-ce qu'on met comme musique? Kiki Café. Tout bêtement. Bah voilà. Comment ça avance? Eh ben j'ai terminé. Bien, choisissons qui travaillera ici. Alors, Antonio... Oh! Antonio et Hélène, bah écoute, ils ont l'air très contents. Je confirme. Je trouve qu'ils avaient l'air bien. Très bien, je vais prévenir le personnel du café. Attends un peu, avant ça, il faut encore trouver un nom pour le café. T'as déjà des idées? Si c'est le cas, dis-moi. Sinon, ça peut attendre, on lui trouvera un nom plus tard. Très bien, qu'est-ce que tu proposes? Le café bonheur. Non. Voilà. Café bonheur, c'est bien ça? Ça me plaît. Génial, nous avons désormais un nom. Et voilà les amis, bienvenue au Café Bonheur. Le caféine propose la brave. Ah, pas mal de caféine. Est-ce que j'ai mis dans le bon sens la caisse? Je pense. Trop moderne pour moi. Le personnel est là. J'ai aussi réuni quelques clients attirés par l'odeur du café fraîchement moulu. Regarde-moi un peu le résultat. C'est absolument magnifique. Les photos seront superbes, j'en suis certaine. Après, si tu veux nous prendre une photo commémorative, alors viens me voir quand tu seras prêt. J'aime beaucoup. C'est quoi cette tête? J'adore. Non, c'est bon, j'ai mis du bon côté. Parfait. Qu'y a-t-il? C'est l'heure de la photo. Alors sortons, les préparatifs devraient être terminés. J'espère qu'il vous plaît, mon café bonheur. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires et dans le chat. Café Bonheur nous accueille aujourd'hui pour sa très attendue photo commémorative. Merci tout le monde. Avec notre nouveau café, les gens ne parleront que de notre île. Vive Café Bonheur. Notre expansion est exponentielle. Et maintenant, donnons la parole à celui sans qui Café Bonheur manquerait sûrement de caractère. J'ai nommé Lou. Je t'en prie, veux-tu dire quelques mots pour l'occasion? Quelques mots. Merci. C'est désormais au tour de Gratien et Mantin qui ont tous deux travaillé à la préparation de la terrasse. Oui. Alors, c'est-à-dire que... J'espère que le café aura beaucoup de clients. La prochaine fois, il faudra que je prépare mon texte. Je suis content d'avoir pu rendre service. Un grand merci à tous les deux. Pour finir, allons prendre notre photo commémorative tous ensemble. Je la trouve très bien, mais... Que penses-tu de la photo, Lou? Elle est parfaite. Je suis tout à fait d'accord. Elle est parfaite. Parfait. Soyez prudents et prenez soin de vous. Ah, le petit café bonheur.
Beau travail, grâce à toi, nous avons maintenant un adorable petit café, Lou. Il paraît qu'ils s'approvisionneront dans un magasin spécialisé. J'ai hâte de goûter leur café. Oh oui, et c'est un endroit parfait pour se retrouver. Nous pourrions y aller ensemble de temps en temps. En attendant, c'est jour de paye. C'était un projet important, alors c'est normal qu'elle le soit aussi. Voilà pour toi, 25 000 Poki. Quant à vous, Gracia et Mantin, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Voici de quoi vous récompenser pour l'aménagement de la terrasse. Encore bravo à tous. J'ai hâte de voir quelle prouesse vous accomplirez la prochaine fois. Eh ben voilà. Oh, c'est formidable. Très bien, tu t'arrêtes là pour aujourd'hui? Ou tu continues encore un peu? Eh ben non, c'est fini pour cette fois. Entendu, faut pas se surmener, repose-toi bien. Ah ben on a déjà bien avancé, hein? C'est pas mal tout ça, ça prend forme petit à petit. De plus en plus d'habitants habitent dans les villas de loups. Allez, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite d'Animal Crossing New Horizons. Ciao, ciao!